c'était contre Dijon, c'était chez elle le match retour et j'ai kiffé parce que c'était un match vraiment intensif. Au match aller, bah nous on s'était un petit peu raté donc on avait à cœur de faire mieux et on a mieux fait donc c'était vraiment trop bien. Alors le match il était chaud bouillant, etc. Donc ouais, j'ai kiffé. En vrai, j'en ai plusieurs et c'est tous les trajets qu'on a fait en minibus. Notre minibus, c'est la folie, c'est trop bien. Et franchement, c'est pas un seul, mais c'est tous les déplacements à chaque fois. Genre, c'est mes meilleurs moments, c'est mes meilleurs souvenirs en équipe. Voilà. J'ai envie de dire jambon, même malgré que ce soit devenu un synthétique, c'est parce que j'aime bien aller jouer là-bas, j'aime bien l'ambiance, etc. et tout, le contexte. Et en plus, je rentre chez moi parce que c'est à Paris, donc voilà, il y a toute ma famille qui vient à chaque fois et tout, donc je kiffe. C'est le double contact. Malgré que j'en fasse pas beaucoup, et ben c'est le double contact. J'ai toujours aimé faire des doubles contacts, surtout quand tu passes entre deux joueuses en mode tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac. J'aime bien. Moi, je marque des buts, moi. Non, ben, je marque pas de but, mais du coup, mon plus beau but, je vais le prendre pour moi, c'est le coup franc de Sarah Cambo face à l'OM. C'est grave de faire des choses comme ça. Bah, en vrai, j'en ai pas, et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur les vidéos ou sur les photos des matchs, quand il y a un but, j'y suis jamais, parce que bah, moi, je célèbre pas avec l'équipe, en fait. Au lieu d'aller vers celle qui a marqué, je vais vers ma gardienne et on célèbre ensemble à deux, genre on se tape dans le poing, un petit câlin, vite fait, pas trop sentimental, on est des bonhommes. Ah, mon pire souvenir, ça va être le match retour face à Fleury chez nous. On perd 1-0 sur un but un peu bête, un centre, deuxième poteau, et moi j'oublie un peu ma joueuse dans mon dos, elle marque de la tête, on perd le match. Voilà, ça m'a saoulé, ça m'a gavé, arrête de me poser la question. Hein, voilà. Cette année, ça a été à Marseille. Parce que je vais vous expliquer. À l'aller, on le fait en avion, tranquille, tout baigne et tout. Et là, bah, après le match, en fait, notre avion il a été annulé. Et donc, on devait rentrer en flexibus. Mais en fait, le flexibus il nous fait arriver le lendemain à 8h. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des voitures. Comme par hasard, la voiture où je suis, elle tombe en panne. Et c'était n'importe quoi. On est resté je sais pas combien d'heures sur l'autoroute à attendre la dépanneuse. Arrivé, on a pris notre voiture, on est reparti. Wow. C'était n'importe quoi, mais c'était bien, on a trop rigolé. C'était cool. Franchement, j'en ai pas qui viennent en tête. Mais moi, j'ai du mal avec les petits gabarits. Donc quand ça va être petit, vif, rapide, eh ben ça va m'embêter. Après les grands costauds, etc., du style Oulay, Katoto et Garber, genre ben j'aime bien, en fait j'aime bien parce que c'est des vrais duels, quoi. Bonhomme, t'as capté. Bah, s'il n'y avait pas eu le confinement et tout, bah, ça allait être contre Reims. Donc j'allais jouer contre mon double, mon binôme. Vas-y, dis-le. Évident, t'es mon affaire. Tu as raison, peur, à l'eau de Bénédicte, Béné Simon. Et ça allait être trop bien parce que c'est mon adversaire direct en plus. Et je joue latéral gauche, je joue latéral droit. Donc ça allait être trop bien. Bref, moi je dois aller faire du sport. Hein, donc hop. Ciao.